Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War Zombie. Un glitch qui va vous permettre d'XP très rapidement et très facilement. Et si vous avez un Cronus Max Pro, vous allez carrément pouvoir passer des manches et gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc vous pourrez aller travailler, manger, etc. sans rien faire. Je vous mettrai le script en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Samout87 qui a fait le tuto sur sa chaîne en français. Donc, j'utilise son tuto pour présenter le mien. Donc, grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, grosse dédicace à toi frérot, tu gères. Alors maintenant, le glitch se passe sur la map D-Machine. Donc, je vais me rendre sur la map D-Machine. C'est parti, let's go. Alors ce glitch vous permettra aussi d'améliorer le niveau de vos armes, donc de débloquer le niveau maximum de toutes vos armes si vous le désirez. Et aussi si vous le désirez, ça vous permettra de débloquer les camouflages de vos armes pour débloquer le Tarkmator de Cold War Zombie. Alors cependant, si vous voulez débloquer les camouflages et améliorer le niveau de vos armes, le seul problème c'est qu'il faudra sortir du glitch quand vous avez terminé avec une arme pour aller en chercher une autre. Et ça c'est un peu l'inconvénient, parce qu'à chaque fois il faudra sortir puis re-rentrer dans le glitch pour faire les armes. Après si vous prenez là tout 3 armes, bah ça peut être pas mal parce que vous augmenterez le niveau de 3 de vos armes à chaque fois que vous rentrez dans le glitch. Donc vous augmentez le niveau de 3 de vos armes, donc c'est plutôt pas mal. Après, moi, je le présente plus pour un glitch d'XP. Mais bon, c'est quand même faisable possible de réaliser ces camouflages et faire le niveau de vos armes. Alors, première chose que je vous conseille, c'est que quand vous commencez la partie, pour pas perdre de temps, vous activez l'inducteur de carnage. Hop, juste ici. Inducteur plutôt de carnage. Vous l'activez, comme ça, les zombies, en fait, sont beaucoup plus rapides. Et vous allez pouvoir accélérer dans les manches pour aller au glitch plus facilement et plus rapidement. Déjà, il vous faudra ouvrir toute la map pour réaliser le glitch. Enfin, pas forcément toute la map, mais une bonne partie de la map. Après, avec l'inducteur de carnage, le truc, c'est que les zombies sont très rapides. Hein, donc, il faut faire attention. Si vous vous sentez capable de monter jusqu'à la manche 7, 8, 9, moi, c'est ce que je vais faire avec l'inducteur de carnage, bah, faites-le. Mais sinon, ne l'activez pas. Hein. Après, c'est plus difficile. Mais c'est quand même réalisable, hein, c'est quand même faisable. Moi, je vais même le faire quasi tout au couteau. Comme ça, j'aurai maximum de points. Bon, là, regardez, faut que je fasse attention. Quand là, je vois que je me fais encercler, ben, hop, je récupère ma vie en tournant. Et puis, hop, je la recut, tout simplement. En vrai, j'ai eu de la chance parce que moi, en H4, j'ai eu 1x2. Et regardez, j'ai déjà 9000 points. Donc, je vais pouvoir ouvrir toute la map. Moi, je vous conseille quand même d'ouvrir toute la map parce que, ben, voilà. Comme ça, vous pourrez accéder au pack-a-punch, etc. Et puis, c'est toujours mieux d'améliorer ses armes pour faire le glitch. Que ce soit pour faire les camouflages ou pour faire des XP, c'est toujours mieux. Donc là, je vais ouvrir toute la map. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas chercher l'arme spéciale et tout ça. Mais moi, si vous voulez faire des manches en illimité sans manquer de munitions et en utilisant le script que je mettrai en description, il vous faudra obligatoirement l'arme spéciale de la map. Donc si vous ne savez pas comment l'obtenir, il y a une playlist avec tous les tutos de la map D-Machine en description, en commentaire épinglé. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Alors moi, je vais pas m'équiper non plus, je vais juste vous montrer comment réaliser le glitch. Mais vous, équipez-vous avant d'aller dans le glitch. Donc équipez vos armes, améliorez vos armes, équipez-vous de l'arme spéciale DCD Nova 5. Moi, je vous conseille la DCD Nova 5 pour réaliser le glitch et gagner des XP plus facilement. Donc voilà, pour passer des manches plus facilement. Donc quand vous êtes équipé, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le glitch, c'est d'acheter l'atout PhD Slider. Donc pour l'acheter, vous allez devoir activer une anomalie. À partir d'une certaine manche, le distributeur, la Wonder Fuse sera disponible tout le temps, H24, sur le toit. Mais là, pour obtenir la Wonder Fuse, il faut activer l'éther noir. Donc là, quand vous avez activé l'éther noir, vous allez vers le spawn. Dans le bâtiment, juste ici, vous montez tout en haut. Et vous allez voir qu'il y aura un distributeur de boissons. Donc à cet emplacement-là, vous allez pouvoir acheter l'atout PhD Slider. C'est obligatoire, il vous faut l'atout PhD Slider, sinon vous ne pouvez pas réaliser le défi, le glitch. Et je pense qu'il vous faut l'atout PhD Slider au niveau 5, au palier 5, en tous les cas un certain palier pour que, quand vous glissez, regardez, là je vais glisser, boum, ça fait une glissade super chargée. Donc c'est très important, il faut qu'il soit au moins amélioré pour pouvoir faire une glissade super chargée. Votre atout, hein, je parle. Bien entendu, achetez aussi l'atout...
l'atout mastodonte. Voilà, je vous conseille d'acheter l'atout masto. Vous pouvez prendre l'atout 3 armes pour faire les camouflages de vos armes si vous voulez. Et après le reste, je pense que c'est pas nécessaire. Mais voilà, vous pouvez toujours les prendre si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas double coup en plus. Donc ouais, prenez les atouts que vous voulez. Mais en tous les cas, je vous conseille fortement masto et voire réanimation rapide pour le faire aussi. Hop, je vais prendre ça. Même si j'en ai pas besoin, parce qu'en vrai, je vais pas améliorer mes armes, mais bon, c'est pour le fun. Donc voilà, hop, on met ça. Oui, très important, à la manche 5, enfin, quand vous êtes prêt, pas à la manche 5, mais quand vous êtes prêt, quand vous êtes stuff, pour aller dans le glitch, bah, enlevez l'incubateur de carnage pour pas que les zombies rush et vous gênent. Donc maintenant, quand vous êtes prêt, ce que vous allez faire, c'est vous rentre au laboratoire d'armes, et en fait, vous allez vous rendre ici, regardez. Et là, vous allez glisser, vous allez courir d'abord, courir, sauter, glisser, et appuyer sur option dès que vous touchez la grille. Donc, vous courez, sautez, glissez, et quand vous touchez, quand vous percutez la grille, vous appuyez sur pause. Donc, courez, glissez, voilà, là vous voyez, j'aurais réussi. Donc là, vous faites courir, sauter, s'accroupir pour glisser, vous enlevez le menu pause, ensuite, vous allez ici, et vous allez mettre pause, comme ceci, ensuite, vous allez... avancez avec votre analogue et spammez X pour monter la barricade, enfin la rampe. Donc vous avancez, vous enlevez le menu pause, vous avancez, vous spammez X pour monter la rampe, comme ceci. Hop, et regardez, vous passez à travers la grille. Donc franchement, le glitch est très facile à réaliser. Donc ça, c'est un petit avantage. Comme il est facile à réaliser, ben, vous allez pouvoir sortir du glitch facilement pour aller chercher d'autres armes. Donc moi, ce que je vous conseille ensuite, c'est de venir par ici. Voilà, vous venez par la droite. Vous mettez ici, le zombie va se mettre devant vous. Vous vous mettez bien dans la machine là, parce que sinon le zombie va vous lancer des morceaux de viande. Mais comme vous êtes dans la machine, le zombie ne vous touchera pas. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous tuez le zombie. Et les seuls zombies qui peuvent vous tuer, c'est des zombies chiens, parce que les chiens, en fait, ils vont envoyer un gaz toxique. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous placer à une certaine distance pour que le gaz du chien, quand vous allez le tuer, ne vous atteigne pas. Donc là, regardez, c'est la manche des chiens. Donc je vais essayer de vous montrer. Logiquement, si je me mets pas trop près de la grille, les chiens ne me feront aucun dégât. Donc là, bien évidemment, si vous avez la DCD Nova 5, vous tirez en illimité là par terre, vous aspirez les zombies pour récupérer des munitions, et vous faites ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc regardez, là, le chien, il explose, il me fait des dégâts, donc je recule un peu. Donc là, ouais, je recule. Voilà, à cette distance, les zombies pile up devant moi, regardez, hop. À cette distance, vous prenez votre DCD Nova 5, vous tirez là dans le tas, et ça va tuer les zombies en illimité. Et voilà, vous rechargez en visant avec votre arme spéciale. Vous visez pour recharger votre arme et aspirer l'âme des zombies dans votre arme pour avoir des munitions en illimité. Alors par contre, pour vos armes, ce qui est bien, c'est que, regardez, vous pouvez prendre des munitions. Ah, ouais, voilà, j'ai pu les prendre. Vous pouvez récupérer les munitions, donc ça, c'est plutôt cool. Et vous pouvez aussi récupérer les munitions qui tombent par terre. Donc les zombies boss, donc les zombies élites, laissent tomber des munitions. Donc vous pourrez récupérer des munitions quand ils seront par terre. Donc voilà, si vous voulez faire le camouflage de vos armes et le niveau de vos armes, il faudra toujours récupérer les munitions pour ne pas manquer de munitions. Donc maintenant, si vous voulez sortir du glitch, pour sortir du glitch, il vous faudra appuyer sur option, changer de classe et choisir la classe... je ne sais plus. Ah, couverture des terres. Donc je pense que la couverture des terres doit être au niveau 3 ou 4 pour que quand vous allez l'activer, donc vous remplissez votre camouflage des terres, donc votre spécialiste, et que quand vous activez votre spécialiste, ça vous téléporte. Et en fait, comme ça vous téléportez, vous allez sortir du glitch. Donc c'est la seule façon pour sortir du glitch. Ensuite, ben, vous re-rentrez dans le glitch en faisant la même manipulation pour re-rentrer dans le glitch. Bien entendu, si vous sortez du glitch, moi ce que je vous conseille, c'est de garder un dernier zombie pour ne pas risquer de mourir si vous le faites en pleine manche. Après, si vous êtes à la manche, regardez, là j'ai des munitions parce que le gros m'a donné des munitions. Donc voilà, faites-le. Si vous voulez sortir du glitch, faites-le en fin de manche, c'est toujours mieux. Et quand vous êtes dans le glitch, bien entendu, remettez un anneau de feu. Alors, pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, je vais vous mettre un script en description et en commentaire épinglé que vous allez pouvoir télécharger. Ensuite, il faudra l'installer sur votre script, donc voilà, sur le slot numéro 1 par exemple. Ensuite, vous branchez votre Cronus Max à votre console, et quand vous êtes dans le glitch, vous le branchez aussi à votre manette, et quand vous êtes dans le glitch,
Vous vous placez bien à une distance pour que les chiens ne vous atteignent pas, ne vous infligent pas des dégâts. Et ensuite, vous visez par exemple ici avec votre... Ah oui, il faudra enlever les paramètres aide à la visée et tout pour pas que votre viseur bouge. Mais vous mettez votre viseur ici, vous tirez avec votre DCD Nova 5 comme ceci. Enfin, vous visez avec votre DCD Nova 5 comme ceci. Et ensuite, vous appuyez sur flèche de gauche pour activer le script. Et là, le script va faire en sorte que votre personnage va tirer en illimité, va recharger son arme en illimité et va activer son spécialiste en illimité. Donc, vous allez pouvoir passer des manches sans rien faire. Et vous pourrez aller manger, dormir, travailler, aller à l'école, peu importe. Vous allez pouvoir tout faire et monter vos niveaux sans que rien ne se fasse. Enfin, sans que vous n'ayez rien à faire. Tout va se faire en automatique. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.